Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à développer votre ressenti à travers l'utilisation des oracles. Les erreurs à éviter quand on débute, mes conseils, mes astuces pour une prise en main rapide. Pour vous aider à développer votre ressenti, votre intuition et prendre confiance en vous, je vous conseille d'acheter dans un premier temps un oracle de guidance. Parce que, à mon sens, c'est plus facile à interpréter qu'un oracle divinatoire. Moi, je le conseille dans un second temps. Après, vous faites comme vous le sentez. Je tiens à vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de soi-disant dons pour développer vos ressentis avec les oracles. Ils ne sont pas réservés à une catégorie de personnes, mais c'est comme un muscle. Si on veut le développer, eh bien, il faut le travailler. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis guérisseuse, donc j'ai développé mon clair ressenti et ma claircognizance depuis petite. Et cette chaîne est dédiée à vous aider à développer vous aussi vos dons naturels. Quand vous allez choisir votre oracle, je vous déconseille de vous renseigner auparavant sur les différents oracles parce que ça peut fausser vos ressentis. Moi, ce que je fais, c'est que je demande l'oracle qui est le plus adapté pour moi en ce moment. Après, je prends la boîte, je me concentre sur les images et je vais essayer de voir si je perçois déjà des choses à travers les cartes, si elles me parlent et surtout si j'ai envie de travailler avec elles. L'erreur que j'ai faite au début, c'est d'acheter un oracle dont on m'avait parlé et en fait il s'est produit la chose suivante, c'est que les cartes ne m'inspiraient pas du tout. Moralité, je l'ai laissé de côté pendant plus de 6 mois parce que je comprenais pas du tout comment il fonctionnait. Quand vous utilisez l'oracle pour la première fois, ce qui est bien, c'est que vous avez un livret explicatif qui vous permet de vous guider dans l'utilisation des cartes la première fois. En premier lieu, quand je prends les cartes, j'imprègne de mon énergie les cartes en les touchant chacune leur tour. Plus vous allez utiliser votre oracle et plus il va être réactif à votre énergie et donc plus les réponses seront précises et rapides. Je commence toujours par demander qu'il n'y ait que de la lumière divine qui guide mes cartes et que les réponses soient le plus juste possible pour moi. Ça correspond à mon nettoyage à moi préalable des cartes pour éviter d'être court-circuité par des énergies négatives. Ensuite, vous pouvez demander à être assisté par vos guides, par votre âme, par l'univers, qui vous voulez. Vous pouvez aussi, avant de commencer, purifier vos cartes en les visualisant, par exemple, entourées d'une lumière blanche qui les traverse. Vous pouvez aussi utiliser le pendule. Moi, quand je le faisais avec le pendule, quand il tournait à contresens, je savais que les cartes étaient chargées. Vous pouvez vous créer un espace aussi en vous imaginant avec vos cartes entourées d'une lumière blanche, mauve, bleue. Moi, je prends le blanc parce que c'est une couleur qui purifie et qui protège. Ensuite, pour tirer les cartes, il existe plusieurs manières. Donc, dans le livret, vous avez déjà des façons de tirer les cartes qui sont proposées. Moi, je vais vous en montrer deux qui sont assez simples et une troisième que moi, j'utilise. Et avec le temps, vous allez trouver votre méthode de manière intuitive. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de tirer les cartes. Il y a juste une technique qui va vous correspondre et vous parler. Si vous avez la possibilité au départ de vous entraîner sur quelqu'un d'autre que vous, c'est mieux. Je vous le conseille parce que vous serez moins impliqué dans la réponse et c'est plus facile d'interpréter des cartes quand ça ne vous concerne pas. Pour vous faire confiance et développer votre intuition, la clé, c'est d'être le plus neutre possible au moment du tirage. Faites quelques respirations pour vous concentrer avant de penser à votre question. Concernant votre demande, faites attention à ne pas poser de questions fermées parce que dans l'univers, il n'y a pas de réponse qui corresponde à un oui ou un non. Donc quand vous tirez les oracles, élargissez la question. Par exemple, au lieu de demander « est-ce que je vais trouver un travail ?», vous pouvez demander « j'aimerais avoir des informations concernant mon domaine professionnel ». Vous allez battre les cartes en vous concentrant sur la question uniquement et sur une question à la fois s'il vous en vient plusieurs. Je vous montre avec mon jeu. Je vous mets de quel jeu il s'agit, si les images vous parlaient, que vous aviez envie de l'acheter. Ce que je vais utiliser dans ma vidéo sont assez simples à comprendre. Au départ, je posais les cartes face contre table et je me laissais guider vers la carte qui m'attirait le plus. Vous pouvez passer votre main au-dessus et ressentir si vous avez des vibrations, des picotements, de la chaleur. Ça peut vous aider à choisir la carte. Maintenant, je procède autrement et je vous montrerai après.
Donc la première technique, c'est de choisir une ou plusieurs cartes qui concernent votre question. Ce que je faisais au début, et en général c'est expliqué dans les livrets, je demandais une carte qui représentait le passé, le présent, le futur. Pourquoi ? Parce que en demandant une carte qui représente le passé, je vais bien chercher une cohérence entre ce que la carte m'indique et ce que moi j'ai vécu. Ça me permet de comprendre le sens des cartes et le message qui est délivré. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous avez donc tiré une carte pour le passé, vous regardez les détails, l'image, les mots s'il y en a, et voyez ce que ça vous inspire de prime abord. Plus vous allez vous familiariser avec les cartes, plus vous allez en avoir votre propre interprétation. Le plus dur, ça va être de sortir de ce qui est décrit par l'auteur, parce que lui, quand il l'a écrit, ça lui a parlé en fonction de ses vibrations, en fonction de ce qu'il a voulu transmettre comme message. Et moi, je me suis aperçue que parfois, bah, il n'y a rien qui me vibrait dans ce qui était décrit. Mais ça m'indiquait autre chose. Donc, j'ai suivi mon propre ressenti et finalement, maintenant, je ne regarde absolument plus le manuel quand j'achète des oracles. Donc ne focalisez pas sur la description si elle ne vous parle pas. Maintenant, quand vous allez lire cette description, tout ne va pas correspondre. Donc regardez s'il y a des mots ou des phrases où vous avez l'impression que le message vous est directement adressé. Après, vous faites la même chose en tirant une carte pour le présent, une carte pour le futur. La deuxième technique, c'est de compléter ce tirage avec des cartes transversales qui vont correspondre aux difficultés que vous rencontrez, que vous avez rencontrées ou vous rencontrerez en fonction du passé, présent, futur, ou juste au présent, juste au futur, vous faites comme vous voulez, selon ce que vous voulez savoir, et les éléments qui sont propices à la situation. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets les obstacles en dessous et je mets tout ce qui est propice au-dessus de ma première carte. Ça vous permet d'avoir plus d'éléments de réponse. Quand vous êtes un peu plus aguerri, si vous le sentez, vous pouvez prendre un autre oracle pour obtenir d'autres éléments de réponse. Alors, il existe des oracles très simples qui vous orientent sur des réponses assez faciles à décrypter parce qu'il y a une petite phrase en dessous, comme celui-ci. Et les dessins peuvent nous inspirer aussi un élément de réponse. Donc, vous complétez. Vous demandez, en fait, pour le passé, pour le présent, pour le futur, vous procédez de la même manière, mais avec un autre oracle. Ou alors, vous demandez un complément de réponse et vous tirez une carte. Ça, il n'y a pas de méthode, vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez très bien tirer une carte, et si vous voyez que ça ne vous inspire rien, eh bien, vous continuez, vous en tirez une autre. Et puis, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, bah, des fois, on en tire 5-6 sur plusieurs oracles, ou voire un oracle pour vraiment comprendre le sens du message. Et puis, parfois, avec une seule, ça va nous suffire. Et mon conseil, vraiment, c'est de persévérer, de ne pas vous démotiver. S'il y a un oracle qui ne vous parle pas, eh bien peut-être que dans 6 mois, 1 an, vous allez l'utiliser beaucoup plus qu'aujourd'hui. Moi, ça m'est arrivé donc avec l'oracle dont je vous parlais. Au début, je n'arrivais absolument pas à comprendre le sens des cartes. Et aujourd'hui, je l'utilise beaucoup plus en complément de mes tirages. Et je n'utilise quasiment plus que celui-ci. Je vous avais dit en début de vidéo que je vous montrerais comment est-ce que je tire les cartes avec plus d'expérience aujourd'hui. Donc moi, je ne les choisis plus, je les laisse tomber instinctivement, sachant qu'il y a une différence entre la carte qui va tomber inopinément et celle qui est choisie. Alors, je vous en parle dans cette vidéo rapidement. J'ai l'impression, moi, qu'il y a comme un arrêt dans le temps. La carte n'a pas la même façon de sortir du tas. C'est assez spécial, il faut le vivre pour le comprendre. Mais en fait, elle tombe un peu au ralenti. Donc, je vous montre comment je fais. Pour moi, c'est un processus un petit peu plus simple parce que d'une part, ça m'évite de les choisir et deuxièmement, elles tombent rapidement, donc c'est un gain de temps pour moi. Un autre piège dans lequel je suis tombée, c'est de développer une certaine dépendance à l'oracle. C'est-à-dire que quand on commence à maîtriser l'oracle, on a tendance à vouloir le faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Je vous fais part de mon expérience, ça ne sert à rien, puisqu'au fur et à mesure, je m'embrouillais complètement dans les cartes et je n'arrivais même plus à comprendre le message initial.
sans doute un message des guides pour me montrer que ça ne servait à rien de réitérer la question une bonne dizaine de fois par jour. Et dites-vous qu'il faut persévérer si vous avez vraiment envie, parce que les oracles, ça peut vraiment aider à comprendre des situations, à comprendre des blocages. Il faut vraiment le voir comme un outil de développement personnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des réponses. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine.